Déjà, écoutez, je suis surpris du nombre de personnes ce matin, on en parlait avec M. Poupard, donc j'espère que ça ne fait que préfigurer votre nombre d'adhérents. C'est tout le mal que je vous souhaite. Donc, ici, vous êtes à l'IML Etiol, qui effectivement est géré par l'ADAPI d'Indre-et-Loire. J'ai un de mes collègues qui est là, qui est directeur adjoint d'un ESAT également, vous voyez, qui va, dans un an et demi à peu près, s'implanter à côté. L'ADAPI, c'est quoi? C'est à peu près 11 personnes, on appelle ça déficient intellectuel, c'est-à-dire un handicap mental à Neuilly, sur plusieurs sites, pour à peu près, on va dire, 530 salariés. Et ici, donc, IML Etiol a ouvert avec le concours de la mairie de Chambéry, je profite pour la saluer, en 2009, ici. L'IME existait déjà précédemment sur 5 sites, donc on a regroupé tout notre petit monde ici. Nous accueillons 103 usagers, 3 à 20 ans, déficience intellectuelle également autiste. C'est une particularité, on a deux unités qui accueillent ce type de public avec une méthode spécifique. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. C'est pour ça que vous avez vu, il n'y a personne sur le site le samedi. J'avais dit à M. Poupard, écoutez, ça sera bien volontiers qu'on mettra à disposition notre plateau technique. Vous avez vu, puis tout à l'heure, il y aura le verre de l'amitié, donc vous irez jusqu'à l'espace restauration. Les jeunes arrivent le matin, pour une bonne partie, repartent le soir. Vous verrez en repartant, il y a des petites maisons toujours sur le site, c'est un petit internet 24 places. Voilà. Et puis donc ici, on a cette chance de disposer d'un plateau sportif avec un gymnase qu'on met à disposition, et puis également un petit terrain de sport. Ce qui ne veut pas dire que le sport, tout se fasse ici, bien au contraire. On travaille avec de nombreux équipements sur Chambéry, sur Jouy, sur Tours, etc. etc. Donc l'intégration, elle se fait aussi, et même plus en travaillant avec l'extérieur. On a également une classe externalisée au Collège Beaulieu à Jouy-les-Tours. Et puis on a un autre projet de classe également à l'extérieur. Voilà. Donc c'est en deux mots, je ne vais pas non plus m'étendre plus qu'il n'en faut, puisque c'est plutôt votre association qui doit être mise. Voilà. Et en termes d'association, on s'associe aussi à la DPI. On a prévu aussi des cartes cadeaux pour les amis, la famille. Des cartes de découverte self-défense, de deux cours plus un gratuit. Ça vaut 20 euros. C'est valable pendant toute l'année 2014. Et on reversera 50% des montants collectés sur toute l'année 2014. Donc voilà, si vous avez pour vous, pour vos amis ou votre famille, ben on a les cartes ici. Et puis voilà, aujourd'hui ou demain, en tout cas, c'est je pense quelque chose qui est important pour les enfants. Voilà. Merci. Merci. Et je vais profiter aussi.